Yo les gens, il faut que je vous révèle quelque chose. J'ai une nouvelle élève qui est d'Arequipa, d'un quartier qui est le même quartier que ma meuf. Super gentille, une bonne personne. Qui, en fait, depuis que ça a commencé la pandémie, elle est dans une région de Moquegua, dans une sorte de ville fermée, une ville entreprise mexicaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a l'accent mexicain. Depuis qu'a commencé la pandémie, ils peuvent pas sortir de cette ville. Sa fille a fait une dépression. En plus, elle est le double vaccin et elle est malade maintenant, elle-même, la mère, hein. Mais on vit dans quel monde là? C'est quoi cette histoire? Bon, je vais lui donner des cours, je pense, après-demain, j'en sais rien, mais bon, ce que je sais, c'est que c'est une bonne personne, elle mérite pas ça. Comment ils vont faire ça? Ils sont malades. Ouais, je sais, j'ai l'air ridiculé que maintenant, ça va. Non, mais c'est hallucinant, mais c'est un truc de ouf, les gens, ça. Ça me fait peur, ça. Franchement, c'est grave, hein, ça. Bon, nous non plus, on peut pas sortir de la ville d'Arequipa, mais bon, là, on parle d'un petit village, imaginez. Enfin, il y a tout, mais sur des supermarchés. Ils ont forcé à se vacciner d'ailleurs. Un truc de dingue. Ça me fait peur du coup là. Sa gamine est en dépression parce qu'elle voit pas d'autres gamines. Il a tenté de se suicider la gamine. Non, franchement, je sais pas dans quel monde on vit les gens. Hein. C'est l'apocalypse, hein. J'ai pas d'autre terme. Hein. C'est la fin du monde. Telle qu'on l'a connue, quoi. Bon, moi je vous laisse, j'ai des choses à faire. Mais ce que je sais, c'est que moi je devrais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui vivent pire.